Alors, nous autres aujourd'hui, on entaille les érables de la mini-érablière dans le boisé PTA. On a deux étudiants qui sont avec nous autres depuis le début du projet, qui sont en train de les entailler présentement. Là, on s'en va trouver un érable. Là, on passe le trou. Là, on met la pinouche. Puis là, mon ami va mettre la chaudière. Ouh! Là, on plante ça. Oui. Tu planterais en moyenne un arabe 6 pouces et plus. De diamètre. De diamètre. Un bon tas pourrait sortir à peu près 15-16 gallons par année. Gallons d'eau d'érable. D'eau d'érable par saison. Puis comment est-ce que tu fais de sirop d'érable avec? C'est 4 pour 1. Fait que 4 gallons, tu peux faire un gallon de sirop. Ça va commencer à couler de la prochaine semaine, puis après ça, on va venir chercher l'eau à deux fois par semaine. Puis l'idée avec ça, c'est de prendre ce produit-là, en faire assez de sirop, on l'espère, pour faire des petites recettes, genre muffins ou biscuits, des choses comme ça, qui vont être effectuées par la classe de cuisine professionnelle à l'école. Ça, ça rentre à l'intérieur d'un plus gros projet qui est l'événement qu'on va produire au mois de juin. Puis je vais laisser Isabelle vous expliquer ça. Donc, l'événement majeur qu'on parlait de tout à l'heure, c'est un conte animé qu'on va réaliser sur le terrain du boisé. C'est un conte qui va être composé par nos élèves de la 9e année, qui va être ensuite transformé en pièce de théâtre. Puis, donc, on va l'animer, on va le réaliser sur notre terrain, puis on va inviter les élèves du primaire à venir vivre le conte. Puis ensuite, avec le sirop d'érable qu'on aura pris de notre entaillage d'aujourd'hui puis de toutes les prochaines semaines, on va espérer qu'on peut faire des petites recettes pour nos élèves du primaire pour qu'ils peuvent déguster tout ça.